It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Oh, être ghetto ici. Toi, à l'intérieur. Oh, être ici, non. Maintenant. Je crois que c'est là. Maintenant. Oui. Vous garez sur le trottoir, vas-y. De chez eux ou de notre côté? Sur quel trottoir? En face. Tu vas gérer papa, toi. Hmm? Lolo. Hmm? Bonjour. Tu vas gérer, tu vas gérer, ne pas laisser Nicodème. Oui, alors, je suis un peu stressé, si tu peux. Salut pas les mecs, ça premier. Va Je vais m'en occuper. Bonsoir. Hola, hola, seigneur. Hola. Messieurs. Est-ce qu'il y a Neto? Ouais, il est là, il est là, là il est dans le bâtiment, il est un peu occupé. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? C'est, on va dire, quelque chose de très important, lui, devoir venir tout de suite. Vous l'avez déjà contacté, enfin, vous l'avez appelé? Non, justement. Vas-y, je vais aller chercher. C'est, vous êtes qui? Que je lui demande, enfin, que je lui dise que c'est vous. Dis-lui que c'est des gens. Nous être furiosa. Exactement. De quoi qui sent? Furiosa. Furiosa. Lui pas connaître nous. Vas-y, nickel. Bon, je vais aller chercher, j'arrive. Ayoub, je l'ai fait paniquer, frère. Il était pas prêt. Voiture, franchement, incroyable. Oh, c'est le mec qui jouait. C'est. Vous avez l'air de bien les connaître, ces voitures. Hein? Non, franchement, non. Est-ce que vous connaissez une personne qui s'appelle Piqué? S'appelle. Non, je connais pas. Ah bon? Piqué, le joueur de foot? Non, le petit qui habite chez vous. Chicken. Le Novak, il a vraiment de la gueule, hein. Putain. Je comprends pas. Il a vraiment, vraiment bonsoir. De la gueule, le Novak. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est toi, Neto? Non. Il est occupé. Vous posez une question, vous ne connaissez pas un petit qui s'appelle Piqué? Piqué? Oui. Pourquoi? David, je t'en charge. Oh là là, messieurs. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bah, c'est moi le gardien de ce quartier. C'est donc toi, Neto? Oui, pourquoi? Être Neto? Présent. Oui. Être chef de ce quartier, demande. C'est toi le chef de ce quartier? Ouais, c'est ça. Mais ça dépend pourquoi, genre. Pour la police, c'est pas moi, monsieur. David. Moi, pas être police. Moi, être Loki. Enchanté. Enchanté, monsieur Loki. Moi, je m'appelle Neto. Être si. Votre nom? Oui. Oui. J'ai entendu parler de vous. Vous êtes bien ce qu'on appelle les 13. C'est ça, hermano, c'est ça. D'accord. Être là où vous habitez, ici, ces alentours. Voilà, ouais, c'est mon quartier, ouais. Parfait. Vous bien contrôlez ici ou vous êtes en difficulté? Très très bien contrôlé, pourquoi monsieur? Parfait, j'ai cru comprendre que vous étiez des personnes assez malines. C'est bien pour ça que je souhaitais vous parler aujourd'hui. Pourriez-vous nous trouver un endroit un peu plus tranquille pour discuter? Venez, suivez-moi messieurs. Vas-y, on va aller sur le toit. Le toit? Intéressant. Ouais, vous inquiétez pas, c'est aménagé ici. Ah, j'ai le vertige. Te penche pas vers le... Tranquille, ça va aller. Vers le bord, Nicodème. Ok. Pas de bêtises, Nicodème, d'accord? Tu touches à rien. Non, t'as qui m'appelle, putain. Vas-y, j'arrive, je vous rejoins. Vas-y. Là, les gars, les premières impressions, c'est très important. Si tu fais pas peur aux gangs en orga dès le début, t'es... T'es dans la merde. Là, c'est le but, c'est qu'il va falloir vraiment, dès le début, poser les bases, faire un bon petit rendez-vous. On est
kit. On passe, on a une, on a deux, la quatre. Big up à Canal Plus. Être bien ici, être bien. Ouais, ouais, c'est quoi, à l'abri des regards, quoi. C'est haut. Vous pouvoir guetter tout ce qui tourne autour. Bien sûr, allez là-bas, la chaise du guetteur. Parfait, parfait. Bon. Mais vous assurez, messieurs, un truc à boire ou quoi? Oui, avec plaisir, oui. Allez-y, Miro. Allez-y, Miro, asseyez-vous. Ah oui, 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 avec plaisir, mais en tout cas, c'est un plaisir d'être dans votre quartier, mais nous devons discuter de certaines choses qui se sont passées, ou qui se passeront. De quoi, monsieur? Expliquez-moi. Écoutez, je vais déjà commencer par me présenter, je m'appelle Loki, je suis polonais, je fais partie de la Furiosa, une organisation hooligan de Varsovie. Nous sommes venus ici pour faire du business et faire un maximum d'argent et contrôler beaucoup de choses, dont Alderney. Mais nous avons des problèmes actuellement, vous savez très bien qu'Alderney, c'est compliqué d'accès. Bref, nous avons certains objectifs que nous vous partagerons si le business conclut. Mais pour commencer, nous avons rencontré l'un de vos membres hier apparemment, ou quelqu'un de votre quartier, ou alors peut-être quelqu'un qui s'est revendiqué comme étant de chez vous mais ne l'étant pas. Nous avons qui eu. Ça, seigneur? Je ne sais pas. Nous ne savons pas vraiment son nom. Apparemment, certains piquaient. Qui, justement, parlant de piquer, il a piqué des choses dans un coffre. Ah. Technique. Pas mal, pas mal. Apparemment, après, je vais compter sur votre honnêteté. Mais si vous êtes honnête, sachez qu'un grand monde s'ouvre à vous. Nous concernant, si vous décidez d'être honnête avec nous, peut-être que la suite sera très concluante, très fructifiante pour vous comme pour nous. Nous avons de grands objectifs sur Liberty City. Nous sommes fait voler apparemment des sacs de sport remplis de cocaïne. Dans la soirée d'hier, dans le Novak, qui est juste devant. Ça vous dit quelque peut-être chose que... Ça me dit quelque chose, ouais. Peut-être que j'ai vu des gros sacs chargés de drogue, ouais. Nicodème, c'est toi qui as vu ça sur les réseaux sociaux, non? J'ai cru comprendre. Oui, sur tout Twitter. Paniquez pas, monsieur, c'est rien. Ah, ouais, peut-être que j'ai pas, vu ces sacs, ouais. Maladie. Il a une petite maladie, ne vous inquiétez pas. Vous savez, ceux qui ont l'air les moins dangereux, les moins musclés, sont ceux qui sont en réalité les plus dangereux. Sachez que mon ami Nicodème à ma droite est une personne qui gère tout type d'instruments numériques pour avoir tout type d'informations dont vous avez besoin. Nous sommes des hooligans, des personnes avec des couilles et qui voulons de l'argent. Mais nous sommes des personnes malines également. Nous sommes investis dans le monde du numérique et sur Liberty City. Vous savez très bien que les réseaux sociaux, merci, etc., les caméras de surveillance, tout ça, ça vaut de l'or. Tout ça peut nous faire de l'argent, avoir des informations et peut vous permettre d'abattre vos ennemis. Merci bien. Si vous avez une longueur d'avance sur savoir où ils sont, à quelle heure, où ils habitent, l'adresse de leur mère, tout ça peut vous servir. Mais bref. N'est-ce pas, Ernesto? Moi, je voulais parler avec vous, savoir un petit peu si vous étiez ouvert à du business. Et si, Je vais vous dire tout de suite. Il se peut que c'est ça qui était dans mes mains. Il se peut qu'ils ne le sont plus. D'accord. Où sont-ils? Ah, je peux pas vous dire, seigneur, mais qu'avez-vous à me proposer là tout de suite pour que je vous ramène une valise avec de l'argent? Une valise avec de l'argent? Ouais, pour vous compenser la perte de ces sacs. Écoutez-moi, comme je Parce vous que l'ai là, dit... Nous... J'ai deux choix qui sont... Attendez, monsieur, oui, excusez-moi. Oui. Deux choix qui sont devant moi. Soit, je vous dis d'aller niquer vos mères de chez moi et j'en ai rien à foutre de votre vie et je vous mets un dos dans le cul pour les sacs de cocaïne. Ou soit... Et vous êtes intéressant et vous me proposez des choses qui m'intéressent si je vous amène un sac rempli d'argent tout de suite. Dans un premier temps, comme vous avez pu l'entendre, nous sommes des personnes qui venons de l'Est. Nous sommes envoyés, pour être tout à fait honnête avec vous, envoyés par la mafia polonaise. Nous pourrons exporter tout type d'armement de l'Est assez rapidement dès que nous aurons ne serait-ce que quelques moyens. De plus, nous avons quelque chose à vous proposer très rapidement. Nous avons besoin de matériel prochainement, matériel informatique. Nous avons entendu parler d'une personne sur Liberty City qui détenait ce matériel, mais également d'autres choses, d'autres types d'ustensiles
de type drogue dure que nous pourrions vous offrir en échange d'une mission. C'est-à-dire que si vous allez chercher ce matériel-là pour nous, tout ce qui touche à la drogue que vous récupérez sur ce moment-là sera dans vos poches pour vous. Vous y gagnerez beaucoup d'argent, beaucoup de drogue et certainement beaucoup de contacts. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous aurons du matériel et nous pourrons avoir tout type d'informations dont vous avez besoin grâce au numérique. Intéressant. À vous de voir. Kilo, ramène-moi un sac avec 50 000 $. Vas-y, je vais. Par favor. Wesh. Ah ouais, il est chaud. On va dire que je vous rembourse un sac de cocaïne. Et c'est vrai que ça vous. Le deuxième, je le garde. D'accord, d'accord. Je vois. Pas de soucis. Pour commencer, nous allons fructifier ce business. Je vous dis, ce qui était mis à notre disposition a été mis par la mafia polonaise. Nous verrons par la suite, une fois qu'elle dernier sera à nous, nous aurons de grands business assez fructifiants pour vous. Vous faites un pas vers nous, nous vous tendrons la main. Il n'y a aucun souci concernant cela. Maintenant, j'ai besoin de savoir également sur le terrain qui est le meilleur, vous l'imaginez bien. Mais vous m'avez l'air plutôt installé sur Liberty City, si j'ai bien compris. Oh, la Prino Marqua. D'ailleurs, moi ne pas connaître trop les alentours. Pouvez-vous me dire un petit peu qui traîne autour, qui sont vos ennemis ou vos amis? Alors mes ennemis c'est tout le monde, je n'ai confiance en personne. Et sinon à l'est, vous avez les Latinos, les 13 et les 18. Dans le Bronx, vous avez les Afros, qui sont mix à peu près. Les Southside, les H-Block. Et dans l'ouest, vous avez les Who, les Hoover, l'Eclipse. Et je sais pas s'il reste les 306 ou pas, et les Yardies. Et les Yardies, d'accord. Être afro-américain. Je sais pas. Mais les 18 sont latinos comme moi. Ça va faire du monde, hein. Ça va faire du monde sur Liberty City. Raison pour laquelle nous avons besoin de savoir qui sera le meilleur. Je vais prendre votre numéro, sauf si mon ami Nicodème l'a déjà. Tu l'as déjà, Nicodème. Bon, N'est-ce pas? Oh. Je crois qu'il réfléchit. Hein. Je crois il est sur son téléphone. Tenez en tout cas une mallette de 50 000 $. Ouais, je suis on là. Va rembourser un sac de cocaïne que vous avez perdu. Mais le deuxième, je vais le garder. On va dire que ça sera ma récompense pour avoir été malin. Je comprends, oui. C'est honorable. Nous n'y avons vu que du feu. Nous étions fatigués du voyage. Tenez, je vous laisse compter. Oui, je vous fais confiance, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, je vous le dis, le business sera fructifiant par la suite. Si vous le décidez, si vous faites confiance aux bonnes personnes. Sachez-le, des armes venant de l'Est, il n'y a pas meilleur. Surtout sur Liberty City, où le sang coule chaque jour. Vous en aurez grandement besoin, même si je pense que vous êtes déjà installé. Nous avons toujours besoin de business et d'argent en plus. Tout à fait, seigneur. D'ailleurs, parlant de business, vu que vous avez des sacs de cocaïne, ça veut dire vous. Je pense soit vous revendez les sacs, ou soit vous travaillez la cocaïne. Nous avons des personnes qui travaillent pour nous, oui, la cocaïne. Malheureusement, le matériel que nous avions, c'était les seules choses que nous avions réussi à faire passer de Pologne jusqu'ici. Donc nous allons devoir nous retrouver de la marchandise sur place pour pouvoir la donner, pour la travailler. Pour vous faire une preuve encore de bonne foi de ma part, je vais vous dire où trouver cette marchandise. Vous pouvez directement la personne à qui vous pouvez acheter les sacs de cocaïne. D'accord, oui, c'est généreux, c'est généreux de votre part. Pas généreux, hein, je vous tends la main, j'espère la recevoir un jour. Bien sûr, je vous le dis. Qu'elle soit dans ma gueule ou soit dans mes poches, ça, on verra. Mais au moins, je vous tends la main. Effectivement, c'est honorable, c'est honorable. C'est une personne à qui il faut acheter cela. On peut dire ça comme ça. Vous verrez une fois sur place, hermano. D'accord, pas de soucis. En gros, pour trouver votre marchandise là, il vous suffit d'aller dans les docks, dans le port, et vous avez un cargo qui est à quai. Une fois que vous êtes à quai, vous montez sur ce cargo, et vous allez à l'entrée de la cabine, vous avez une cuisine sur votre droite. Et regardez ce que la cuisine vous proposera. Il y aura une personne devant et négocier avec lui un sac de cocaïne pour 50 000 $. D'accord, ok, nous allons nous intéresser à ça, il n'y a pas de souci. Sachant en tout cas que par la suite, si nous nous lançons bien sur Liberty City,
Nous allons avoir de nombreuses entreprises et de nombreux business pour fructifier tout ça. Également pour des avantages que vous pourrez toucher plus tard. Sachez-le. Vous faites confiance aux bonnes personnes. En tout cas, c'est honorable. Je fais confiance à personne. J'ai pas confiance en vous et je compte pas avoir votre confiance. Ni vous ayez la mienne. Ça risque du business, hermano. Bien sûr, bien sûr. Mais avoir une parole comme ça nous fera tous gagner de l'argent, vous le savez. Si. Nous verrons bien par la suite, en tout cas. Merci de nous avoir reçus ici. Et nous nous reverrons assez rapidement. Je vais quand même noter votre numéro. Je ne sais pas si Nicodème, à part avoir pris tous vos réseaux, je ne sais pas s'il a pris votre numéro. Non. 5821. Et toi? Et c'est quoi le vôtre, monsieur? Moi, alors attendez, je vais vous le dire. C'est 64 39. Je crois que ça se dit comme ça, 39. 3-9. 39, ouais. Je m'appelle Loki. Et le d'une autre personne au cas où? Nicodème, donne-leur ton numéro. Alors. Au pire, non. Fais comme d'habitude. Tu vas galérer. Tu mets déjà ton numéro dans tout leur téléphone. Dans les notes. Ça marche. Parfait. Quoi? Dis-le comme elle à l'oral. Oui, oui. Je ne vous l'ai pas dit, mais cette personne-là, Nicodème, est un petit génie de l'informatique. Du coup, je l'enregistre pas. Il va s'enregistrer tout seul. Il va s'enregistrer tout seul. Mais dis-le quand même à l'oral, Nicodème. J'aime bien toujours 43, quand tu prononces ces chiffres. 4, 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 4
être ta mère. Ma mère m'a pas connaître, surtout. Quoi? Je suis d'accord. Avec ton grand bonnet, Louis Vuitton, je vais te le mettre par terre, tu vas comprendre. Allez, ton gros nez, là, avance. Puis ça, tu vas prendre un coup des Messi. Ou être, il m'a dit quoi? Il m'a dit être... Oh, moi comprendre quoi il écrit là. Et du coup, s'il y a des rivalités entre regards, vous êtes désavantagés. Bah, en fait, au début, ouais, c'est pour ça que je comprends pas, en fait. Parce qu'en fait, si on pop, si toutes les orgas pop avec une vente d'armes, sauf nous, c'est plus la merde. Après, si on peut le... Mais apparemment, non, apparemment, c'est équilibré. Apparemment, on peut voler. Enfin, apparemment, on verra bien. Mais apparemment, c'est carré. C'est le retour de Dante ou c'est comme un... Non, c'est une orga. Non, mais regardez mon perso, comment il a trop de flow. En fait, on dirait vraiment un peu un gangster polonais. Bon, mon perso, c'est vraiment ça. Genre, c'est... Je suis le plus gang de tout le truc. Les autres, c'est vraiment... Après, je vais devenir vraiment orga, tu vois, mais... Merci, Smiteless. Wesh, 22e mois, mon frère. T'es un brave. On va pas savoir si être ici. J'ai pas l'impression quand même. On va pas savoir. Je m'arrête à 24, jure. Ah, t'as vu les frais, mon perso hein. Ça, il est beau gosse. Hein. Moi, franchement, je trouve BG. Je trouve en fait, il rentre bien dans le thème. Il est bien. Oui, en fait, voilà. Moi, je préfère récupérer la vente d'armes en RP. Limite, tu vois les orgas qui sont déjà posés, genre les Italiens, c'est normal qu'elles aient la vente d'armes. Et on va les baiser pour l'avoir. Mais c'est bizarre que des orgas qui pop, elles l'aient déjà en fait. Oui, quoi? Quoi, t'as quoi? Quoi chercher nous? Pardon, t'as dit quoi? Nous, quoi chercher nous, ta mère? Nous chercher. Vous entendre Renato ou pas? Bien sûr, entendre laboratoire. Laboratoire? Ah. Non, être. On t'entendrait pas. Être cuisine ici, apparemment, où on le peut. On t'entendrait pas. Mais c'est normal, il y a des gens dehors, je suis con. Oui, vous êtes con. Attendez ici. Être bizarre ici. Oh, peut-être être ici, oui. Oh, être cuisine, ça. Être cuisine, oui. Mais je pense que pas être cuisine comme on pense. Ah, c'est peut-être juste une cuisine qui voulait montrer. Ici, trois, être pizza plus sauce tomate. Là-bas. Oui, être italien de merde. Peut-être bien. Ah, ici marqué. Ou être... Okay, Nicolas, il m'a appris, moi, devoir me rappeler. Ah. Ne prends pas moi le russe. Qu'est-ce là? Oh, quoi être ici? Oh, je pense que c'est être ici, venez. Tu vas tomber juste sur une cale, tu vas être grave déçu. Moi, avoir du flair pour les trucs comme ça. Wesh, wesh. Wesh, c'est incroyable ici. Wesh, la dinguerie. Mais... Oui. Oui. Vous voir? Aïe. Hein? Vous voir comme moi? Oui. Oui, exactement, c'est la cale. Vous bien voir dedans ou pas? Ah, tombe. Viens, viens, Nicodème. Quoi? Oh. Ok. En gros, rachat de pièces de voiture. Mais c'est incroyable ça. Je sais pas si on a le droit de l'utiliser. F2, bah ouais, je sais ce que je fais, mais ça fait rien. En première personne, vous pensez? Ben non, il n'y a aucun. Je comprends pas, frère. C'est quoi ce bug de merde là? Je suis à 91 000 sous la mer. Vous êtes où? C'est vraiment stylé ici, hein. Ça? Le monde, je vois travers, je le monte. En l'air, jusqu'à. Oui, vous êtes où? Je suis derrière toi, mon gars, tu m'entends pas, je suis collé à toi. Ah bon? Vous trouvez ou pas? Ah, je te vois plus. Oh, what? Non, j'ai rien. Oh!
Attends. Vous sortir du bateau. C'est très bizarre. Attends, je vais vraiment bien fouiller ici, voir s'il y a... C'est vraiment pas là. Non, vraiment, je trouve mon perso, tu peux pas mieux faire en termes de flow polonais. Genre, j'ai trop un flow de polonais. Non, mettez pas French pour le moment dans le... Arrête de fouiller les cartons. Donc là, à part ça, y'a rien d'autre là ici. Madito, tu viendras et tu dors chez moi, quoi. Tu peux redonner que t'as un flow de russe plutôt. Ah ouais, j'ai plus un flow de russe. Bon, après ça va, moi je trouve ça fait vraiment stylé là, mon perso. Ok, bon, je sais pas, c'est bizarre. Vous êtes où? Go, la vie est moche. Avec des mensonges. Ça devait être insane ici. Hein. On est dehors. Oui, moi arrivé. Mais frère, c'est complètement buggé ici, wesh. Attends, je vais pas débarquer en F2. C'est full buggé, gros. Oui, moi être là. Arrêtez de m'appeler. Moi être là. Restez ici, je vais fouiller l'intérieur. J'arrive. C'est bizarre dedans. Bah, mon père, c'est toi. Mais putain, je comprends pas. Ah, c'est vraiment stylé par contre. Hein. Oh, le mapping, il est incroyable. Bon, je pense pas que c'est ici, de toute façon. Peut-être là. En haut encore. Moi, je peux monter encore. Non, je suis pas staff. Attends, en fait, peut-être c'est une porte là. Hein. Mais je comprends pas comment il peut y avoir un point de drogue ici alors que les flics ils ont fait une descente il y a pas longtemps. Ils l'ont forcément pété. J'ai jamais vu un point de drogue ici, frère. Ça m'étonne de fou là. Je comprends pas. Ah! C'est une marque de voiture. Ah oui, si, c'est là. Ok, attends juste. Oh, mais c'est trop la merde, wesh! Ok, donc c'est vraiment là. C'est, je pense, là, non? C'est où? Je l'ai vu. Ça va, Wendy? Wendouille? Tu joues plus RP, Wendouille? Ça, c'est... Wesh, le point, il est vraiment petit, hein. Wesh. Je fais du sale. Ça va, toi, on est là. Hein. Furiosa, en fait, c'est un film sur Netflix. C'est des Polonais, frérot. Donc, baisse ta mère, je suis en vacances là. Eh ben, ça nous fait des vacances à nous aussi. Non, ça, je suis trop enfumé. Profite, la famille. Moi, avoir trouvé, être tout en haut. J'arrive. Non, sauf si je peux sauter. Ah, flop. Merci Nuricia, merci le sang. Bon bah on va devoir aller faire de la coke au début hein, par contre. Ça parle de gang de hooligans, exactement ouais. Après nous on fait pas vraiment comme dans le film Furiosa. Furiosa c'est vraiment que des hooligans, nous on est des hooligans qui allons essayer de devenir des mafieux tu vois. Je sais, du coup je vais risquer de sauter c'est ça. Mais à la base on est des Furiosa. Parfait, moi avoir trouvé avoir sac de cocaïne.
nous partir. Être ta sonnerie. Si, être ma sonnerie. On nous dépêcher. Elle veut rentrer dans la chambre. Elle est non, elle croit que la chambre. On va tout jouer sans mi-temps. Baby, bouge, tu seras ma baby boom. Pour moi, fais qu'une boum. Enroulé comme Cristiano. À toi, attendre papa. Ah, j'arrive avec le véhicule, restez en haut. Restez en haut, j'arrive avec le véhicule. Pour le moment. Je ne sais pas quoi être ce moto, mais. Être un problème là. Être deux motos. Oh, attention, attention. Faire attention à la police. Deux motos autour. Comme une envie déjà de me pendre. Maman, elle voulait. En fait, c'est qu'une seule entrée. C'est un problème là. Pourquoi on rentre pas comme si on était chez nos mères? Eh ben, regarde. On est chez nos mères. Quoi faire eux? Eux avoir armé, niquez-nous. Après, mais non, non, mais après, je pense eux, personne. Après, eux, à moi, sucer nous. C'est vrai. Moi, faire créneau. On doit pas savoir faire. Toi, ça se voit, t'as pas avoir permis. Hein. Faut c'est baiser pas, ta ça mère. Ça va être créneau, ça. Ah non, ça être. Ta grand-mère être bizarre. Ta grand-mère, la pute. Ah, ça va être ton arrière-grand-mère, encore plus bizarre. Ok, bon, vous notez, Nico. Attends, du coup, là, j'ai quoi? J'ai un sac de cocaïne. Ok. Nous avoir besoin de... ben, faites juste de sachets vides et de farine. Attends, mais je comprends pas. Oui. Miro, quoi? Ah, c'est bon, j'arrive, j'ai un petit problème. J'étais bloqué dans un carton, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je te jure, je pouvais pas sortir. Ah oui, moi, pas être masqué. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Être cocaïne. Ah, nous faire cocaïne? Oui, nous faire cocaïne. Ah, avec la police à côté? Oui, moi, rien à foutre. Non, mais moi, voir juste quoi avoir besoin? Moi, faire. Toi, fermer ta gueule de fils de. Moi, faire aussi ou pas? Attends. D'accord, je comprends. Attends. Non, mais toi, rien faire pour le moment, on a attends, rien. On va apprendre comment faire, ok. Oui, il faut comprendre juste comment faire. Attends, parce que en gros. Attendez, j'essaye de comprendre. Donc en fait, là, on a 10 petites briques de cocaïne. Avec 10 petites briques. Donc avec 10 briques, avec une brique, tu fais 5 tas. Avec un tas, tu fais 2. Ah non, avec un tas, tu fais 2 sachets. Un tas égale 2 sachets. Ah, et en plus, ça m'en fait 2. Ah non, ça va m'en faire plus. Là, ça va m'en faire 20. Je peux en faire 10 d'un coup? Je vais aller là où je pense que c'est, mais normalement, ouais, c'est là. Ouais, c'est là, à droite. Je roule un gros bilan pour gérer l'anxiété. Putain, ils sont toujours là, ces camions. C'est trop, wesh. Oui. Ah, arrête. Oui, quoi, qu'est-ce qui se passe? Naïm touche la cuisse. Où être bowling? Côté du Burger Shot, au niveau du... Oui, tout à gauche, là.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, ouais, c'est ça, à gauche. Ouais, ouais, ouais. Moi, être bowling. À côté d'un burger shot. Au port, un genre de port, là. Bizarre. Sans sur un grand parking. Grand parking, attends, j'arrive sur le grand parking. Oui, moi, bon, voir la jugulaire qui me suit depuis 2 heures. Où être après? Bah, on est juste à côté, là. Bonsoir. Fais le descendre. Bonsoir. Vas-y, soit vous restez, vous descendez, venez, on va pas rester ici, venez, on va marcher un petit peu. Comment ça va? On a connu des joueurs meilleurs. C'est lui, je le reconnais. Allez, Nicodème, viens, suis-moi. Oui. Attrape ma poche. Non, quand même pas, s'il te plaît. Ne commencez pas à faire des choses comme ça, je vais m'énerver avant la discussion. Parlez docile, celui-ci. J'ai eu peur, David. Ça te fait du bien d'avoir peur un peu. Range. Je me sens mieux dans ma chambre. Oui, mais tu sais, la vraie vie c'est mieux, Nicodème. Tu peux faire beaucoup plus d'argent. Ah, pas derrière un ordinateur. Il sait pas ce qu'il faut. Terrain de basket. Ouais, on fait ça bien, tranquillement, y a pas besoin d'être, d'être je ne sais où. Bon, du coup, c'est toi, David. Oui, je m'appelle Loki, appelez-moi Loki. Il a vu ton nom sur le téléphone. Ok, Loki, parfait. Bah écoute, enchanté, moi c'est Dante, responsable et boss de toutes les personnes que tu vois autour de moi, on est les hustlers. Il y a un petit souci là, dans ce que je viens de voir là. Ouais, quoi, organisation criminelle. Ok. Bref, je sais pas ce que tu fais ou ce que tu prétends vouloir faire ou même ce que tu aspires à faire. Bref, je veux savoir une chose. Qu'est-ce que tu foutais, enfin, ou du moins, qu'est-ce que ton gars foutait dans mon labo? Mon garçon faisait. Terrain de basket. Ce que tu penses. Terrain de basket. Il faisait ce que je pense. Oui, concrètement, oui. Exactement. Qui vous a mis en relation là-dessus? Ah, ça, nous n'en parlerons pas, évidemment. C'est des personnes bien au-dessus de nous, peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que je n'en sais rien. Et dans tous les cas, là n'est pas la question. Le problème, c'est que nous sommes au même endroit pour les mêmes choses. Alors, on est peut-être au même endroit pour les mêmes choses, c'est une chose. Par contre, il y a une différence, c'est que t'es chez moi et que je ne suis pas chez toi. C'est ce que tu penses, hein. Tu penses être chez toi. Ouais, je suis chez moi. Je suis chez moi. Ouais, mais pirate, ben, tranquille ou quoi? Non, ça, c'est un fils de pute qui fournit calme de la cocotte. Calme-toi. C'est votre collègue, ça. Jérémy. Salut, Jérémy. Salut, Jérémy. Oh, enchanté. Ok, tu vas fermer ta gueule, tu vas te mettre sur le côté et tu vas attendre. Ça va, tranquille. Bref, qui t'a mis en relation? Ah, je vais comprendre, c'est qui la moto lourde. Je ne vous dirai pas qui m'a mis en relation, ça ne vous intéresse pas, et moi qui vous l'a dit, ça ne m'intéresse pas non plus. Le problème, c'est qu'il y a conflit d'intérêts, nous sommes sur le même endroit pour les mêmes choses. Et là, c'est un problème. Bon, après, comme je vais dire à Nicodème, Prums, hein... Ouais, il est surtout énervé. En fait, là, j'essaie de trouver une alternative. Il n'y aura pas forcément d'alternative, peut-être. Je pense que vous l'imaginez, vous avez pris... Un de mes frères avec vous pour une. Apparemment pour l'humilier ou je ne sais quoi, malheureusement. À partir de ce moment-là, je n'ai pas forcément envie de discutailler ou de trouver des compromis. Vous l'imaginez bien. Je t'ai humilié? T'as dit que tu voulais me frapper à coup de massue quand même. J'ai juste dit casser les petits doigts. Hein. Et si j'ai dit, c'est juste si tu retournais, j'étais pas au courant. En bref, si tu fais du trafic de C, que la fabrique et tout, et que t'es en train de te plaindre pour ce genre de conséquences, c'est une chose. Ferme-la. Bref, moi j'essaie de trouver un terrain d'entente. Je constate actuellement. Le problème est que toi comme moi ne bougerons pas de l'endroit tant que nos poches ne seront pas pleines. Quel genre de compromis souhaitez-vous trouver? Le souci, c'est que là... Moi, je te dis, je suis chez moi. C'est moi qui ai le monopole, c'est moi qui fournis quasiment tout le monde. Oui, peut-être pour le moment, oui. D'accord. Donc, on se la joue conflit dès maintenant, plutôt que de trouver une alternative. Voilà, même quel moi, je me bégayer, ça quel genre d'alternative vous pouvez me proposer, alors?
Parlons-en. Tax. Je pense que c'est déjà un bon début, Tax. Tax. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est quoi? En tax. Je crois que tax, ça veut dire les payer quand on fait quelque chose chez eux. Ouais, ça veut dire ça, ouais. Ça veut dire que tu vas nous payer pour que tu puisses utiliser le matériel. Qui es-tu? Ouais, c'est un de mes grands, donc respecte-le. C'est un de mes d'accord, associés. Je ne parlerai qu'avec votre chef, malheureusement. Votre bah du coup, c'est moi qui ai parlé maintenant. Moi, je suis un des plus bas dans le grade, mais je m'y connais pas mal dans le truc. Le machin, là, c'est si tu veux utiliser nos trucs, vu votre organisation, vous n'avez pas l'air... Quelle est la taxe? Je ne comprends pas ce mot, justement, mais je ne sais pas l'utiliser, parler, mais quelle est votre taxe? Justement, un pourcentage parler. Chaque semaine. Laisse-le, voilà. c'est lui qui connaît le domaine. Laisse-le. Vas-y, il va t'expliquer. Le truc, c'est que moi, de mon point de vue, ce que vous avez fait ce soir, c'est de l'amateurisme. Pourquoi de l'amateurisme? Je ne dis pas que vous n'avez pas d'expérience ou autre dans ce genre de truc, mais vous ne connaissiez pas le secteur, vous avez foncé tête baissée, vous étiez trop pressé. Là, c'est bête pour vous. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'à vue d'œil, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Une tonne semaine? Deux tonnes? Trois tonnes? Dis-moi. Mm-hmm. C'est quoi tes objectifs? Je crois que vous ne savez pas vraiment d'où on vient et quelles sont nos ambitions. Bah non, tu ne nous as pas dit. C'est bien pour ça que nous n'avons même pas eu le temps de nous présenter. Mais bref, nous comptons faire de la quantité. Mais là n'est pas notre investissement principal, votre drogue. Cependant, oui, si vous voulez qu'on discute d'une taxe, nous discuterons d'une taxe. À voir. J'ai l'impression que vous avez l'air de connaître les ghettos et de les avoir sillonnés autour de Liberty City. Ou même peut-être d'en faire partie, j'ai cru comprendre. Avec vos accoutrements. Pas spécialement, c'est juste qu'on se fond dans la masse. Je vois ça. Du coup, tu nous as parlé de présentation. Dis-nous un petit peu qui tu es, Loki. Je viens de Pologne, moi. Je viens de Pologne. Je suis parti de la Furiosa. Je ne pense pas que vous connaissez. C'est une organisation de hooligans polonais. Nous sommes de simples hooligans, oui. Nous venons faire de l'investissement ici. Nous sommes là pour faire de l'argent, tout simplement, comme vous, je pense. Nous sommes là pour faire de l'argent. Et voilà, nous trempons un petit peu dans différents business, raison pour laquelle il y a un conflit d'intérêts sur l'un des nôtres. Ok. Je veux pas te couper, mais Loki, un hooligan, son combat, il est pas dans la rue. Il est pas dans ce genre de business. Un hooligan, c'est un supporter énervé. Là, t'es un cran au-dessus, là. Oui, mais à la base, un hooligan est un supporter énervé. Mais ce qu'on a fait en Pologne est très grand. Renseigne-toi. Tu le verras. Ok. Bon à savoir, ok. Et de plus, tu ne vois que la face visible de l'iceberg. Je te parle seulement de ce que je peux te dire et ce que je veux te dire. Mais oui, effectivement. À la base, nous sommes des supporters de football. Mais bref, dans tous les cas, il y a conflit d'intérêts. Discutons donc ou réfléchissez-vous de votre côté sur votre... Ça se dit comment on dit? Taxe, oui, taxe. Et nous verrons. C'est tout réfléchi, hein. C'est tout réfléchi. Nous verrons bien, oui. Je vous écoute. En réalité, c'est soit tu dis combien tu comptes faire par semaine et tu te brides là-dessus. Nous, on fait des contrôles et on prend une taxe par semaine. Soit toi, tu remets plus les pieds là-bas, toi et tes petits copains. Ton équipe de hooligan. Ce n'est pas vraiment d'objectif de quantité. Après, je pense qu'une tonne, c'est beaucoup trop peu. Je pense que ce sera au moins 6 tonnes, voire plus. Plus de 5 tonnes par semaine, au moins. Sachez-le. À vous de me dire comment vous souhaitez vous organiser. 6 000. Oui. Équivalent de 6 000. Bon, récupérer même 2 tonnes, hein, je crois. T'en dis quoi, 2 tonnes, c'est bien? Oui, je pense que c'est correct, oui. Je pense, oui. Donc? Oui. Fais tes 6 tonnes. Tu nous en passes 2. Pourquoi pas, oui. Après, je ne sais pas, je vous dis combien nous ferons, mais... Nous verrons bien en fonction de la quantité qui est produite. Bah après, moi, comment je contrôle tout ça, David? Tu n'as pas les yeux sur le business. Là, tu vas nous avoir sur le dos. Tu n'as pas les yeux sur le business. Bah, je te dis que c'est chez nous, du coup, on y est souvent. Oui. Ça nous a surpris de vous voir comme ça. Oui, effectivement, mais ça ne répond pas à la question.
Bon, la question elle est vite répondue. Si tu gères le business, tu verras bien si je m'en mets dans les poches derrière ton dos. Regarde maintenant, si tu veux faire du business, si tu veux acheter des sacs de cocaïne, tu viens vers nous. On appliquera la taxe dessus. Ah, ou même alors pour acheter des sacs de cocaïne et pour m'habiller, manger et prendre le biberon aussi, monsieur. On pourrait le bloquer rien qu'à ce niveau-là et lui couper le robinet, en fait. Je suis con. Le robinet est déjà ouvert pour moi. Compris. Je viens de l'Est. Vous croyez que nous avons les mêmes contacts? Nous faisons venir ce qu'on a besoin et ce qu'on veut ici. Bébé, on va couper le robinet partout. Tu penses que là, je te pense un peu confiant. Là, faut jamais sous-estimer ceux que tu as en face. Je te sous-estime pas, loin de là. Mais il va falloir que tu te plies au bout d'un moment. Moi non plus, mais je n'ai aucune raison de me plier pour le moment. Sachez-le. Mais justement, là, si tu veux... En fait, je t'explique. Actuellement, c'est nous qui sommes en position de force et c'est là où on essaie de trouver une alternative. C'est même pas toi qui essaie de trouver un truc pour te sortir de ça. Ou de vouloir... Je ne me sors de rien, je n'ai besoin de me sortir de rien. Je n'ai jamais dit que je voulais sortir de quelque chose, ni que j'étais dans la merde, dans quoi que ce soit. Vous avez attrapé Nicodème, il vous a expliqué. Vous avez certainement pris ce qu'il possédait. Je n'essaie de me sortir un de petit rien. Pourcentage. D'accord. Ils ont pris 10 pochons. D'accord, mais ça ne change rien au fait que moi j'essaie de me sortir de rien. S'il faut assumer quelque chose là-dessus, nous l'assumerons. Sachez-le. Maintenant, peut-être essayer de trouver une solution pacifiste pour le moment via votre taxe. Mais ne pensez pas que vous pouvez couper les robinets ou porter le chapeau de quoi que ce soit. Nous avons des contacts, nous venons de l'Est, nous avons des personnes bien qualifiées qui viennent ici, qui nous livrent, qui font des choses. Nous ne sommes pas des amateurs, vous nous voyez à deux personnes. Vous voyez, vous avez tendance à nous sous-estimer. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et vos guetteurs à moto qui sont venus me voir dans un mécanicien, vos jugulars qui nous suivent depuis des heures, nous les voyons. Nous ne sommes pas bêtes. Juste un truc, on n'est pas n'importe qui non plus. Hein. Je n'ai jamais dit le contraire. Comme l'a dit mon boss, on va prendre un taux fixe d'argent toutes les semaines. Au moins, on est sûr. Parfait, alors. Décidez-le, on va se recontacter demain, on va se voir. C'est quoi ton numéro? Alors attendez, je ne sais même pas comment le j'ai dire. J'ai mieux hein, en vrai, s'il se fait lui-même apporter ses trucs de cocaïne et qu'il est sûr d'avoir un stock, bah qu'il nous en ramène des sacs. Et puis voilà, les bons comptes font les bons amis. 64 et 39, je crois que ça se dit comme ça, le 3 et le 9. 64, 3, ouais. 9. Au mieux, c'est bon. Au mieux, on va te faire... Ouais, on va te taxer, peu importe la manière, on va te taxer. C'est sûr qu'on va réfléchir un petit peu et prendre le bon pion dans tout ça, tu vois. Bien sûr. Une fois qu'on aura décidé lequel avancer, on te dira et ensuite tu te doutes que faire ça, ça ne peut que enchaîner des relations mauvaises après. Tout à fait. Non, tout simplement. On est bien conscient. Écoute, ne t'inquiète pas, Nicodème. Écoute, statistiquement, vous serez perdant. Rien du tout. Écoute, c'est quoi? Il y a un truc qui est simple. Soit je vous empêche de faire totalement le business, à chaque fois que vous y foutez les pieds, je débarque et je vous sors de là à coup de pied au cul et je vous prends tout ce que vous faites. Soit on essaye de trouver un arrangement et vous pouvez vous faire un petit bénéf. On va pas tout vous prendre, on est en train de dire qu'on va prendre un pourcentage. C'est normal. Moi c'est mon labo, je fournis énormément de monde, tu viens d'arriver, tu t'es installé là, je sais même pas qui t'a donné cet emplacement. Ça se trouve, j'ai quelqu'un qui m'a baisé dans mon dos. Il est possible, mais ne pense pas que cela enchaînera sur de bonnes relations. Il faut que tu le saches, Dante. J'ai pas besoin d'avoir de bonnes relations. Tant qu'on fait tous un chiffre et que t'es content et que je suis content, j'en ai rien à foutre de travailler en plus avec toi, ensuite à côté. Tant mieux pour toi, mais tu feras moins d'argent à la longue. Il faut que tu y réfléchisses. Mais dans tous les cas, c'est ta décision, je la respecte. Réfléchissez-y là, concernant la somme dont vous m'avez parlé, ou une certaine taxe, et nous nous recontacterons. Un numéro peut-être? On fait ça. C'est bon, j'ai déjà pris. Ok. C'est parfait. Bonne soirée à vous. Bien, vous pouvez y aller. Salut Nicodème. Bonne soirée. Salut mon gars. Amène-moi l'autre, on va vite. On peut nous mettre des bâtons dans les roues là. Tu en as laissé à l'intérieur ou pas? Oui. 60 pochons. On va aller chercher ça très rapidement. Ouais, bah pour le moment on n'est pas à la bonne place, hein. On est très peu, on ne peut rien faire, hein. On peut pas jouer contre des maintenant on a le droit d'y être, non? Oui, mais on n'a jamais pas eu le droit d'y être, à vrai dire. Oui. En tout cas, moi, je retiens un truc,
C'est qu'ils veulent nous baiser. Parce que en fait, la vérité, on travaille pour eux. C'est qu'on pourra jamais jouer contre une orga de 15. Pas comme ça, Loki. Oui, tu sais. T'inquiète pas, nous sommes sur un nouveau sol, le sol américain. Ne nous accueille pas forcément. Je pense que Vlad, il leur serait rentré dedans. Vlad n'aurait rien fait car il est comme toi et moi au point et il n'a que la bite et son couteau pour le moment. Ne t'inquiète pas, les choses changeront avec le temps. Bah en fait c'est injouable si on n'est pas 15. En fait nous on veut pas être une orga comme ça, en mode comme Irish, comme eux, ou en mode ça se... Ah ouais mais gros il me dit il reste 60 pochons, mais il reste pas que 60 pochons gros. Oh là 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 t'es... Je meurs dans le vise. Oh là là. Prends le maximum. C'est toi qui as choisi d'être peu. Oh là là, je vais arrêter de lire ce chat. Ah merde, j'ai pas vidé ici. Bah en fait, c'est juste que ouais, ça... Oh là là, mes frères, j'ai rien. Ok, pas choisi d'être 15. Bon, en vrai, vous, soit vous êtes complètement con, soit vous écoutez pas ce que je dis. En vrai, je pense qu'il y a deux, il y a les, un peu des deux. En gros, je viens de sortir d'un RP gang, je vais pas faire un RP gang V2, genre. Reste dedans, là, pour le moment. D'accord. D'accord. J'ai toute la cam sur moi. Oui, oui, je suis en train de poser, là. Il y a pas de place dans le véhicule, j'arrive. Ça marche. Ah merde, j'ai plus ma cam. Vous inquiétez pas, on va jouer, hein, ça, on va être malin, mais c'est juste que... C'est juste que nous, c'est pas le gameplay qu'on veut, en fait. Parce que ça, c'est du gameplay gang, mais plus, genre gang orga, quoi. Oh, vas-y, ça me casse les couilles, on a de la place nulle part, Zebi. Bref, on verra bien. Est-ce que y a les queues devant la porte à 6h, la jugement dans le viseur. Le coffre est plein, cousin, bien on y va maintenant. Non mais là, frère, les gars, si on commence pas au début par se faire niquer, par se faire des ennemis et tout, c'est... ça pue la merde, arrêtez de vous plaindre, pitié. Putain, je n'ai jamais de place dans cet inventaire de fils de pute, frère. Juste en fait le problème, là moi ce qui me tilt juste, enfin c'est même pas ça me tilt, mais genre juste que ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait il y a des orgas qui pop, qui spawn avec de la vente d'armes, et que du coup nous on spawn sans rien, à beaucoup moins, et du coup bah en soi on peut pas jouer, tu vois. En fait je suis d'accord, une orga qui est là depuis longtemps elle nous baise, mais une orga qui est là depuis deux jours c'est pourquoi genre. Bref, on verra bien. On verra bien la suite des événements, mais oui. 1 milligramme. Comment ça, c'est à moi qui... Ah oui, d'accord. Ah, il a cru... Bah oui. Il a cru que t'es vraiment un mec bizarre. Bandeur. Oh, t'es mal, alors. Leur taxi. Leur taxi de Clodo. Ça va, les gars, votre taxi d'homosexuel? Ah, tu crois? Il est LGBT le taxi. T'as du quoi les gars? Ben tranquille. Alors. Ça va. Tranquille. T'es où devant moi là? Faut que je vous voie. Je vous vois la lumière. Comment ça? Au pire, t'es pas chaud, on va manger un bout. C'est toi qui vas te mettre devant moi avant que je m'énerve. Vous payez ou pas? J'ai super faim. Bon les gars. Vas-y, justement, je te paye un bout.
Vas-y, vas-y, on va manger. Jérémy, tu vas arrêter de me faire le gérant la dernière fois que je t'ai vu, t'étais un otage. Lève-toi là avant, je m'énerve. Vas-y, je t'attrape là, je t'attrape, lève-toi, lève-toi. Ça y est, lâche-moi, t'es grand doigt tout gras, sinon t'as mangé des curly sur l'ol, trop du cul. Wesh, alors la phrase vraiment n'avait aucun sens. Pardon, bref, c'est comment, vous êtes pas chiant, vous me partez après rentrer. Écoutez, nous sommes, nous avons ce qu'il faut, maintenant on va discuter tarif. Hein. C'est bon. Que préférez-vous? Vous êtes plus, on vous avance et vous ramenez l'argent, vous prendrez un pourcentage. Moi comme j'ai dit à Rose, si t'as capté, tu vois ta carte. Tu vois oui. Tu prends ta base. Attends, parce que... Frère, il me balle mon fanta. Comment ça va, désolé. Frère, il me balle mon fanta. Du coup, je disais, t'as capté, moi ce que je peux faire pour toi, tu vois ta cam là. Tu vois ta cam là. Oui. T'as vu, t'as attends, fait vrai, attends, Brandon, regarde-moi. Attends, t'as vraiment la tête de Chicho Bello Bobo. Vraiment, faut que je te le dise une bonne fois pour toutes. T'as une c'est tête. T'as une tête d'entonnoir. C'est une dinguerie. Bref, c'est oui, oui. Même, pourquoi tu critiques? Non, du coup, calme, je te disais, t'as capté. Tout à l'heure, j'ai eu 11 au téléphone. T'as vu, j'étais en plein go-face. T'as vu, je reviens du Brésil. Là, t'as vu le bronzage ou pas? Bronzage contre ta canard. Bon, les couilles, ouais, bref, oui. Et t'as capté. Comment pas mal. Le mec, là, Oz, il m'a dit. Enfin, moi, je lui ai dit, si vous êtes chaud, vous me passez cette cam là. Moi, je la fais partir pour vous. Tu vois, je la fais partir, je vous donne la recette et je vous prends 40%. Combien? 40%, mais t'es en train de me prendre pour un con ou quoi? 30%. On va commencer par 15% déjà, si tu n'es pas content. T'es un baiser ou quoi? Même le mec là qui m'a chopé tout à l'heure, il m'a dit 20%. Pour que tu ailles la revendre à des gens, à des gangs, ouais. Mais je peux aller le faire par moi-même, tu... Jérémy. Ouais, mais tu prends des risques en faisant ça. Je prends absolument aucun risque, au contraire, c'est toi qui en prends le plus. Écoute, Jérémy, me respecte, écoute bien. Moi. Statistiquement, j'ai fait des calculs, une étude de marché en fait, plutôt financière. Et donc si on calcule bien, nous sommes beaucoup plus hauts que les hustlers, étant donné qu'on a un pourcentage élevé de 40% en fait, face à la drogue, tout simplement parce que la cocaïne, nous on la gère. Et puis il dit n'importe quoi. On est plus perspicace et on est plus enclin après vous mettre bien au long terme, étant donné qu'on a des contacts sur place et qu'on peut avoir des bateaux tous les jours qui font des allers-retours direction l'Europe. Oui. Donc ça peut être beaucoup plus bénéfique pour vous à long terme. On peut vous la vendre et vous la revendez plus cher. Ou on peut vous avancer, vous la vendez, et une fois que vous l'avez vendue, nous toucherons un pourcentage. Sans oublier que, par exemple, regarde. Nous avons 50 pochons là déjà, si n'importe quoi, tu veux quoi? Tu veux une belle voiture? Hop, on te la commande, on te la porte, mon gars. Bah des ballons, bah voilà, bah on te l'importe. Ouais, en fait, moi, en vrai, là, le plus important, serait d'importer le shit et les turbines. Bah écoute, nous, on te la ramène par bateau. Mais si tu travailles pas avec nous, comment tu veux qu'on fasse un pari? Moi, je te parle sérieux, tu vois, je veux vraiment que tu me rapportes des turbines et du shit. T'as capté, on t'a parlé du shit de Tanger, c'est comment ça? Tu peux? Fais un pas vers nous, alors, déjà. On verra bien, je vous ai dit, avec le temps, on pourrait essayer de voir pour le shit de Tanger, oui. J'ai combien de pochons que tu vends? Le pochon de cocaïne. Ouais, c'est combien? Je pense que nous pouvons partir déjà sur un tarif autour de 70$. Moi je vais te dire, t'as capté. Avec le respect que je te dois. Jérémy. Quoi? C'est comme principe, tu vois. Il est négociable le prix. Jérémy. Parce que le problème, c'est que moi je t'expliquais, t'as capté. Tu es facile en affaires, j'ai pu comprendre, oui. Ça fait deux semaines, t'as capté, je suis dans la street, je vends, t'as capté. Je vends de la coke, la meth, la weed. Du crack, de tout, tu vois ou pas? Même dans la drogue. Je peux te dire que au-dessus de 60, personne n'achète. Personne. Et quand je te dis personne, c'est personne. Oui, je suis bien au courant. C'est pour ça que je viens de te dire un prix exorbitant pour que ce soit négociable, pour savoir si tu as de l'ambition ou si tu es juste un con qui va boire toutes mes paroles. Bien sûr, je prends un trou du cul dans marde. $65. Moi, c'était du bluff quand je dis que c'était bon, 70. Hein. C'était du bluff. Ok, Mark Evans. Le problème, c'est que moi, la coque, t'as vu, je vais la revendre à 60 dans la rue, maximum. Tu peux aller la revendre dans la rue au détail, tu t'en feras beaucoup plus de bénéfices. Je vends pas au détail, moi. C'est le trop du cul. Ça m'a l'air que. Ouais, c'est le trop du cul que prend ça. Non, en fait, la but, t'as vu, c'est d'ouvrir toi les plus grands fours, d'aller revendre un petit peu partout, tu vois. C'est pas alors, dans ces cas-là. Ouais, dans ces cas-là. C'est le trop du cul d'un l'exclusivité. Mais on vous fait que l'exclusivité, vous vous servez qu'à nous. Bah ouais. Ouais, c'est bon. En fait, il y a Dante aussi, il veut que je me serve qu'à lui, ce trop du cul. Bah voilà, justement. Nous, on te propose par contre une exclusivité. Mais si on apprend que tu nous as baisé, là on te baise, mais on te baise fort. Là, tu vois, moi je voulais savoir. On te la rentre dans le cul, on la remonte par la gorge, mon gars. Ouais, mais c'est possible d'avoir l'exclusivité. Non, mais regardez, est-ce que c'est possible d'avoir l'exclusivité chez Dantin et chez vous? Bah non, du coup, c'est plus une exclusivité. Ah, si. T'es trop con, Brandon, arrête les ballons de trou du cul dans Mars, c'est bon?
Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas gazelle, hein. Je suis gazelle, fou shit, là. Vas-y, je te... Oh putain, je peux mourir, frère. Tu veux un jouet? Prenez une décision. Nous sommes aux alentours de 65$, encore négociable. Maintenant, avec à vous de réfléchir. Avec l'exclusivité, effectivement. Nous pourrons vous fournir en quantité assez rapidement. 65$. Concernant une la fois. Cocaïne, après, si vous voulez aller ailleurs. 65$, les gars, je vous avoue, c'est trop cher. Je vais pas vous mentir, je vais me faire $5 de bénéfice. Deux fois, négocie, connard. Ok, 55$, je te le prends. Non. 10$. 62$. 61$, trop du cul. Je vais te tirer dessus. Attendez. Je vais vraiment te tirer dessus. Regardez, je peux vous vendre ça. Vous avez fait péter par deux trous du cul de Tchétchène, c'est vrai ça ou pas cette histoire? Non, on s'est pas fait attraper. Ils étaient pareil, il vous a fait danser. Oui, bien sûr. Oui, il a fait danser personne. Il était dans notre véhicule et on lui a donné $100 parce qu'il nous faisait pitié. Jason, pourquoi t'as dit oui, allez? Quoi? Qui dit ça? C'est moi. Il a dit oui, allez. Bref, 62$ à du j'ai vendu, préparez l'argent. Mais 62$, pourquoi tu mets des deux? Comment ça, du j'ai vendu? T'es con quoi, toi? En fait, le problème, c'est que je ne me fais aucun bénéfice. T'as vous vu, allez je vraiment commencer dire, par oui, vraiment. Bien me parler avant que je vous coupe les oreilles. Non, écoute, pardon, clair, Loki. Hein, sur tout ton respect. Sur tout ton respect, Loki. Je vais me faire zéro bénéfice. Ok? Ce n'est pas mon problème si tu gères mal ton business. Alors viens, je t'achète pas de cam, mais je revends pour toi. C'est à toi de mieux le gérer. Je me ferai moins d'argent avec cette technique-là, et toi tu t'en feras plus. Bah techniquement non, parce que si, regarde, il nous a dit, la dernière fois, tout à l'heure au téléphone, il m'a dit qu'il nous donnait $60 sur le pochon. Donc techniquement, c'est comme si on lui revendait la coque $60. Moi, ce qui m'intéresse, c'est $62. Écoute, 20%, c'est bon. Et on prend ta cam. Et on vend. Et on passe 20, et tu nous passes 20% de ce qu'on a vendu, la recette. Comme ça, on fait le. Je vais réfléchir, mais ce ne sera pas ce soir dans ce cas-là. Si vous êtes prêt à mettre 62$ par unité, je vous les vendez maintenant. Non, parce qu'on se fait baiser. Enfin, on se fait pas baiser, mais les gens ils vont nous baiser dans la rue. Toi, dans la rue, tu les gens ne vous baiseront pas. Vends-les au détail, c'est 50 pochons. Tu les revends 63, 65, tu te feras quand même du bénéfice. Au téléphone, tu m'as dit que c'était max 70-80. Et tu ne parlais pas d'aller vendre au civil lambda. Là, t'es si, en train de me mentir. Si, je te parle au civil lambda. Si tu vends au civil lambda de la coque, tu fais 80, 85, 90. Non, on en a vendu à 95. C'est bien ce que je te dis. Écoute. Si tu veux te faire du bénéfice, vends alors au détail uniquement 50 pochons. Et par la suite, nous verrons pour ta technique, oui. Vas-y, envoie tes 50 pochons. Je te les prends. $62 unité, calcul. Attends, je demande à Google. Ok, Google. 62 fois... C'est combien déjà? 50. 62 fois 50, ça fait combien? 3100. 62 fois 50 est égal à 3100. C'est bon, le compte est bon. Je vais vous chercher la maille, c'est bon. Parfait, allez me chercher la maille, oui, comme vous dites. Il y a un distributeur, là, comme... Bougez pas, je vais à côté, c'est bon. Mais faites vite, oui. Ça va, sinon, les gars, ben... Ta gueule, Brandon. T'as vu, je t'ai dit, faut le floquer, frère. T'as ta maman, reviens le vol. Vous venez d'où, vous? Moi? Oui. Bah, je viens d'ici, tu connais, je suis dans un petit village à côté. Truc de paillon, mais c'est pas grave. Comment ils s'appellent le village? Je sais plus, High West, quoi. Ouais, c'est ça, High West. Ouais, High West. Ouais. High West, oui. Mais après, en fait, j'ai oublié, c'est parce que tu connais. J'étais parti deux ans en France. T'étais où? J'étais en France. Mais t'étais où? J'étais deux ans en France. Je connais, je fais un petit peu le tour de tous les quartiers. Mais t'étais où? J'étais à la Castel. J'étais dans la France, à Vran. Je sais même pas si c'est vrai, c'est dans le 9 ans, tu connais, mais c'était vers là-bas. Après, je suis allé. À qui ça? Ouais, je suis allé en Bretagne aussi, à Brest. Moi, pas connaître France, oui. Mais d'après toi. Et pourquoi vous venir ici? Parce que je suis revenu, de bas, je viens d'ici. Ah, tu es né ici? Je suis parti deux ans là-bas, ouais, je suis parti là-bas. Tu t'appelles Brandon et tu viens d'ici? Bah, Brandon, c'est un prénom américain, trop du cul. Ouais, c'est un prénom de consanguin, surtout. Et je t'ai jamais. Tu te promets, tu ressembles au gros flic dans la Casa de Papel. Ah oui, c'est vrai, oui. Je sais pas si tu vois. La tête à ma mère. Angel. Amour, oui. C'est le camoureux, là, qui se prend, il se fait baiser tout le long, là. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai la thune. C'est bon, Jérémy, c'est quoi cette marque? J'ai la thune. Trop du cul, tu l'as acheté où? Il y avait une super, j'ai pris la mallette. Écoute, la j'ai fait la somme qu'il y a dedans. La mallette coûte plus cher. Il y a $30. Mais surtout, il y a 3000.
y a un billet de 10. Attends, rigolais là. Merde. Pourquoi t'as parlé allemand? T'as dit merde. Eh ben, t'as trop du cul là. Hein. J'ai la thune. C'est comment? Vas-y, j'ai remis la cam. Stop, on a un code bitame. Ouais, on a la cam, on a la cam. Donne-moi ça. Bon, je m'énerve. On va la cam. Monte la cam avant. Toi, tu crois que je suis. Vas-y, envoie la cam, c'est bon. Eh, il m'encule ces fils de pute. Oui, parfait. Attendez, je vais prendre tout ça. J'ai pas l'habitude de faire ça dans les rues. Hein. T'inquiète pas, c'est la prenez dans ce sac de sport, il y a toute la, la consommation. Pourquoi t'as l'air stressé comme ça, toi? Il y a tout ce qu'il faut. Quoi? Ah ouais, toi, ouais. Pourquoi t'as des lunettes devant, derrière? Ah. Bah, pour voir derrière moi. C'est grave con ce que tu dis. Ah, je suis grave con. Vous bien sûr que non, si j'ai les lunettes. Je vais le donner à Mark Evans. Ah, là. Tiens, 3600, 3100. Mark Evans. Je vais séparer en deux, niquer vos grands. Je peux même pas. Moi j'ai de quoi, j'ai de quoi, donne-moi ça et j'ai la ref. Attendez, je vais regarder sur Google. T'en dégage, les entres du cul, va derrière toi, t'es un guetteur. C'est la main magique. Voilà, merci. C'est parfait. Oh, Céleste, pas magique. Prends, lui donner à lui, c'est un guetteur, trou du cul. Prends la cam, trou du cul. Tu peux pas la. Y'a pas de la place dans, la, dans ton sacoche. Je reçois le cas, Mark Evans. Bon, un plaisir de faire affaire avec vous. Revenez vers nous quand tout ça est parti. Plus vite ce sera parti, plus vite vous pourrez vous recharger. Attends, je vais prendre le numéro de tous les gars du Razi. Prends les numéros du Razi. Moi je vas-y, vais dans la voiture. Brandon. Mais Brandon, tu as le mien. Non, je l'ai pas, c'est quoi? Attends, je t'appelle. Non, mais dis-moi ton numéro, connard. Toi, donne le tien, on le prend, c'est plus rapide. Mais au pire, tu es con ou quoi? Tu es un hacker, pourquoi tu prends pas mon numéro? Parce que là j'ai changé de téléphone et j'ai un problème de carte bon. SIM, enfin bref. Vas-y, mon numéro c'est. Attends, parce que je me mets en contact en fait. Comment tu t'appelles? Os Polak. Attends. Comment on écrit ton nom? Mon nom c'est Nicodems. C'est où les O? C'est Nicodems. C'est Nicodems. Nicodems. Ah bon? Odems. La coque, tu vois? Et le numéro c'est 5. T'en veux combien? 5. 5. Parce qu'il y a un mec à raccrocher. Tu vas pas aller faire un truc à l'orthophonie, c'est trop chouette. Ta gueule, 43. 43. 90. Ah ouais. Mais il 5 toujours. 90, c'est bon. Mais je attends, parce que là, c'est de la coque de Pologne. Ouais, donc elle est un peu plus chère. T'as vu, je t'en avais parlé hier. C'est de la coque de Pologne. Yeah, ils ont l'air de se régaler, ces bâtards là. J'ai envie de rigoler avec eux. Moi, 95 après. Là, on est dans un truc sérieux, nous. Bon, vas-y, les. Attends, Nico. Allez, mon Nico Dems, je suis fatigué. Pressé, là. Impossible. Ah ouais, attends, bouge pas, Nico. Quoi? Moi, je te vends le pochon à 60 à l'ancienne. Regarde-moi. Ma sonnerie, elle marche plus. Oui, t'inquiète, regarde, je te regarde. Vas-y, accélère. Ah bon, en tout cas, une soirée pas très efficace. Pas très payante, hein, mais bon. On aurait pu être meilleur, mais bon. Après, on est deux, quoi. Oui, c'est bien ça. Tout est là. Tout le problème est ici. Arrête d'être morte. Évite de vomir dessus, comme tu. Ah là là. Mais oui, effectivement. Nous partons sur un mauvais pied, mais il faut que nous puissions accéder à le dernier, nous puissions commencer l'entreprise, etc. C'est carré. Ah oui, c'est vrai que dès qu'on aura l'entreprise, tout va s'accélérer. Hein. Par contre, pourquoi j'ai plus ma sonnerie? Ta mère, c'est une pute, je pense. En vérité, je suis sûr que si on passe sur la coca à cette heure-là, il y a les j'entends rien. Ah putain,